Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les médias de télévision. Salut le bureau, ouais, let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mutsu, bienvenue sur Immersive TV. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Alemia. Aujourd'hui au programme, on va aller se geler. On a fabriqué des tenues en fourrure, voilà. Et on va se rendre donc, hop, tac, vers ici. Il y a un chemin, je pense. On va remonter vers le nord et partir sur la droite. Il y a un chemin, on l'a vu hier, qui nous mènera là-bas. C'est super. Et on va se geler. Je vais récupérer mon cheval, puisqu'on est déjà prêt. Il est ici. Parfait. Je voulais aussi vous dire merci, 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 merci pour les créateurs. Merci pour Jaldrin, merci pour Lordan. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des vidéos qui sortent, et pas que, hein, il y a aussi plein de streams, etc. Donc, voilà. Il n'y a pas que les vidéos, évidemment. Mais vous allez... Vous qui regardez la série sur YouTube, vous allez mettre des pouces sur Steam. Et ça, c'est super. Parce que c'est ce qui permet de mettre en avant leur travail et leur contenu. Ce qu'ils ont créé. Et ça, c'est génial. Donc, merci pour eux. Merci à vous. Franchement, c'est cool. N'hésitez pas à continuer si c'est pas déjà fait. Donc, vous allez télécharger le mode parce que vous allez le télécharger. Vous allez télécharger la map. Pensez à mettre un petit pouce sur Steam. Vous savez, ça permet de référencer le contenu. Et ce qu'il soit, de façon à ce qu'il soit mis en avant. Sur la plateforme, sur Steam, pour qu'il y ait un petit peu plus de visibilité. C'est mérité, ils ont fait un travail incroyable, vraiment. Donc voilà, merci pour ça, merci pour eux, merci beaucoup. Et dernière chose, merci aussi à toutes celles et ceux qui mettent des petits pouces bleus sur les vidéos. Merci beaucoup. De la même façon qu'il faut remercier le travail des créateurs de la map et du mod, et bien en mettant des pouces bleus sur les vidéos, vous remerciez aussi le travail qu'on peut fournir pour vous préparer et vous présenter ces vidéos-là. Donc, merci pour ça, c'est parti, on y va. On va aller se geler les miches maintenant, let's go. Pour le moment, j'ai un peu chaud. Bah moi j'ai pas la tenue. Tu vas pas tarder à avoir les petites circulations. Enfin le petit... Mais vous avez déjà la tenue sur vous. Ouais, oui, ah ça y est, je suis en flocon. Ah ça y est, flocon. Ah ouais, flocon. Hop, hop, tenue 3, paf, paf, paf. Torche et j'ai froid, mais sans plus. Avec la torche, j'ai froid sans plus. Y'a un truc dans la flotte là. Faites gaffe, y'a un lézard épineux derrière vous. Et y'a une ruine aussi. Pourquoi je. On va tuer le lézard épineux, faut tuer le lézard épineux, c'est le glisson là, on va pas le laisser nous emmerder là. C'est facile à tuer. J'ai la ch'touille. Et la lâche-touille. Faut tirer hein, parce que... Oh là. Oh là là, j'ai tiré sur ton cheval, du coup. Mais voilà, j'ai tiré. J'ai lâche-touille. Oh ouais, bah t'approches pas trop de moi. Hein. Je vais aller farmer un peu de bouffe mon cheval. Ouais. Ouais, je vais aller voir. Il faudrait peut-être... Ah, il y a une ruine ici. Ah oui, dans l'eau. Il y a un truc dans l'eau. Ouais, il y a un truc dans l'eau, là. Parce que peut-être qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est farmer ce biome-là pour trouver du stuff en fourrure plus HL. C'est là aussi qu'il y a les J'ai l'impression que ça a été ouvert. Hein. On va voir. Ah ouais, dans l'eau, on crève de froid, les gars. Faites gaffe. Hein. Moi, ma vie, elle descend à vue d'œil. Hein. Moi aussi. Oh la vache! Ouais, mais je peux faire qu'un aller-retour. Y'a moyen de sortir de l'eau là, d'avoir pied ou pas? C'est pas du tout. Oui, là peut-être au-dessus de la maison, mais. Oh là là, y'a un coffre, je le vois. Faut qu'on augmente la résistance de nos personnages là, du coup. Je vais essayer d'augmenter moi la. Moi je suis à 16 déjà. Hein. De pex un peu la résistance. Chaussures en chitine! Moi j'ai eu. Moi, ah, j'ai quoi eu, que la chitine, c'est pas dégueu. Hein. Moi j'ai eu un pic en métal, inhabituel. Vous avez combien de résistance? 20. Moi j'ai 10. Et 20, t'as froid ou pas, la Vixie? Ouais, j'ai froid, mais ça va encore. J'ai le temps de faire deux coffres, là. Putain, j'ai cru que j'étais full. Ah, je vais me noyer! Je vais me noyer! Non, non, remonte sur le cheval. C'est pas grave. Oh non! Oh non! T'es où? Oh, je vais mourir. Oh non! Oh, je suis mort. Elle est morte. Oh, je suis mouru. Ah oui, t'étais en dessous de moi. Oh là là! Oh bah non! Oh bah oh! Oh y'a des gemmes bleues! C'est bien les gemmes bleues? Oh bah je reprends l'altar du coup hein! Je crois qu'il y a des chevaux qui courent sur la droite. Y'a un bébé gorille. Tu les as vus les allosaures? Pas du tout. Ah, regarde, ils sont juste derrière les deux manteaux devant nous là. Donc ici y'a des allosaures? Bah super! Oh y'a des ruines non, là-bas. Non, mais...
En fait, il se trouve dans le biome là. Il y a un an qui dort. Je crois que je suis Mutsu là. Y a des... Tu as, y a la nourrie de Mutsu là? Ouais. Il y a un bébé gorille. Merde. Oh, je suis inconsciente. Mince. Et ouais. C'est pas grave, j'ai rapproché mon stuff. Ok. Les allosaures. Ils s'attaquent pas à l'ankylo, les allosaures. Fuck. Du coup, des allosaures, c'est pas mal, hein. Oh, y'a plus de. Ah, là, on est des allosaures là. Y'a plus d'altar dispo. Ah, j'allais les poser deux, donc. Je reviens, j'en pose un. Ouais, en tout cas, là, c'est le biome. Et y'a un bébé gorille aussi. Mais je pense que dans le biome noir, il doit avoir Rex, Allosaur. Ouais, super, j'ai vachement hâte d'y aller du coup. Là, c'est vraiment la jungle, là, on peut pas y aller. Oh, mais y'a un mur. T'as pas le droit, toi, ça. On peut pas descendre, non ? Non, regarde, y'a le mur. C'est fin de map. Merde, on du peut coup, pas aller bien loin. Bah, je vais. Le biome noir est pas encore accessible. Du coup, les allosaures, c'est pas biome noir, hein. Les allosaures, c'est vraiment ici. Non, mais ça se trouve, ils sont du biome noir, ils sont arrivés jusqu'à là. Mais non, s'il y a pas de. S'il y a un mur, pas de créature dedans. Bah, si, il y avait des gorilles dedans, dans le mur, derrière le mur. Ah, mais y'a du stuff en chitine. Oui. Incroyable. On trouve pas mal de trucs là quand même, mine de rien. Non, ça va, on sait plus, on va trouver le bon stuff, je pense. Hein. T'es avec moi encore, Marie? La carotte, bon, tout ça, on s'en fout. Vixi, c'est bon, t'as pu. Bah non, y'a toujours pas d'altar de dispo. Ok. 45, 40. Je vais venir. Les ankylos, ils se baladent à côté des allosaures comme si de rien n'était, quoi. Oh, mais y'en a plein juste à côté. J'arrive. Ils sont tous ces ankylos là. Y'a un bébé ankylo. Non. Oh, j'ai glaçon. Possible. J'ai glaçon aussi. Ah, moi je l'ai plus tout à l'heure, glaçon. Glaçon, demi-tour. Attendez. Venez là où vous avez le glaçon. Vous avez tous une torche? Moi j'ai le glaçon, mais ma vie remonte. Hein. Avec la torche, j'ai plus de glaçon. Moi j'ai le glaçon, mais ma vie remonte donc. Moi, mais jusqu'à là, j'ai pas de glaçon. Claquez tous. Mettez tous une torche là. J'ai pas de torche moi. Vixi? Bah, j'ai pas de glaçon. Ah oui, marche la torche. Non mais. Tiens, Vixi, attends. Je peux en crafter plein en fait. Je peux en crafter encore 4. Crafter des torches, ouais. Parce qu'il est possible qu'on puisse s'entretenir chaud du coup. Et si on reste bien collé. Alors, qui n'a pas de torche? Tout le monde se fout de sa gueule. C'est bon. Qui n'a pas de torche? William? Non, non, non. C'est bon, il a pas de bon. On a mis dans ton sac. Donc venez là, mettez-vous. Venez tous vers moi. Je voudrais faire un test. Est-ce que si on se serre tous. Ouais. Voyons, on a chaud. J'ai plus froid. Ah ouais. Donc déjà on a un élément de réponse. Est-ce que quelqu'un a de quoi faire un feu de camp? Non. Bois, branchage, pierre, silex. Alors attendez. Ah si, c'est bon, j'ai eu. Fais-en, vas-y. Tout le monde se fait un feu de camp. Faites-vous tous un feu de camp. C'est bon. Ah. Non mais j'en fais un autre, c'est bon, je peux en faire un deuxième. Bah fais-en tout ce que tu peux, William, du coup, s'il te plaît. Est-ce qu'on ferait pas une fonda avec une cheminée? Bah, là, j'en bah pourquoi pas. Et il me manquerait 9 sur 12. Est-ce que on peut pick-up la tente? Vous avez essayé ou pas? Non, il y a écrit qu'elle s'auto-détruit quand tu la pick-up. Ah ouais, d'accord. Non mais faites pas, les mettez pas ici, ramassez-les. Vite. Sinon, on traîne. Vous pouvez le ramasser encore celui qui est là. Bon, je vais le faire, c'est bon. Feu de camp avec une lampe, avec un assaut. Il serait pas en train de se moquer de moi. Toi, non, ça. Mais, non, mais t'as raison, faut, les feux de camp, faut prendre des trucs, on regarde à quel moment on a froid, à quel moment on a plus froid. Non, en fait, non, mais là c'était surtout pour pouvoir continuer de progresser et faire des pauses, tu vois. Si on perd pas trop de PV, on peut quand même progresser, on fait une pause, on repart. Des flocons, et puis oui, ouais, je sais que tu veux dire.
Ouais. Allez, on peut y aller. Alors, on y va. Ah mais c'est la nuit qui tombe là. Ouais d'accord. Ah, il risque de faire plus froid la nuit, ouais. Ouais, il fait moins 11 degrés, tu m'étonnes que la fourrure ça suffise pas. Il faut multiplier les couches, il suffit qu'on mette une tenue de fourrure sur une tenue de fourrure. Par exemple, c'est une idée. Regarder les baies au cas où. Et des animaux à gauche, je crois, non? Non? Petit, petit, petit. Oh, c'est des listros. Oh, regardez. Regardez. Oh, j'ai plus froid. Oh, ouais, les jeux de feu. Allumez. Oh, bête. Vous êtes des sadiques. Lui, surtout. J'ai un cochon grillé. Non, on a de la viande crue, on pourra toujours la faire cuire. Sinon, on tue les listros et. Sinon, on pouvait tuer les listros, ouais, c'est vrai. Oh, y'a un peu pas de listros! Oh, c'est quoi les petits bushies? Oh, des medjoberry! Ah, ça y est! Attends, je veux voir à quoi ça ressemble. Attendez! Ah, bah oui, c'est ça, autour de la. Des medjoberry! Attention, alors faut faire un beau stack et on va faire des graines, hein. De attends, les manger, pas de pas un cheval où il y a plus de foin. J'arrive, hein. Micro. Oui, quoi? Attends. Ah. Elles sont où? Là. Là. Tout autour, c'est les retours. Regarde, il y a des petites baies violettes. Oh, les médios, c'est des grosses. D'accord. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Bah, on a enfin trouvé. Il manque encore des amarberries et on a tout. Ouais. Oh bah les jeunes du coup elles vont être dans le dernier biome. Dans hein. La neige. Ou dans le biome. Dans le biome dégueulasse auquel on a. Oh y'a rien qui pousse là-bas je pense. Bah, tiens. Trouve... Non mais ça se trouve il tiens, est. Nécro, comme... Nécro, Nécro, tiens. Derrière toi. Allô, allô. Bonjour. Ici. Qu'est-ce que ça fait tu as beaucoup de poids dans son. Parce qu'il en reste pas des bêtes joueurs. Moi j'en ai 20. Au pire, vous savez quoi, les médjols, on va les garder sur nous, comme ça les choux ne bougeront pas. Et moi j'ai des gros stacks de toute façon, c'est ça, stack par 100. Ouais, voilà. 8 minutes, 100, on a pour 800 minutes. Je pense qu'on peut rentrer avec ça. Oui. Oh là là, là on voit plus rien. Là on ne voit pas grand chose, effectivement, vu que si. Ah ouais, là, faut mettre Thématouze là. Il y a un chalicot devant. Thémamille. À droite, là, je crois que ça nous ramène. À la plaine des chevaux. Je peux plus ouvrir la route là parce que moi j'ai un gamma. Venez, venez, suivez-moi. Je vais tenter de vous suivre. Il y a des ruines ici, on peut les loot. Des ruines. Ah oui. Ça, je pense que ça va être les trucs à faire dans les jours qui arrivent. Hein. Ça va être farmer les ruines. Pour voir si on peut y trouver. Et non, c'est surtout de la chitine. Il y a de la fourrure. Ah. Il y a une grande armoire. T'as trouvé de la fourrure? Oh, trois roquettes basiques. T'as trouvé de la fourrure, Vixie? Oui. De couleur? Je sais pas, de tenue en cuir et puis... Ah, je sais pas. Non, non, mais c'est juste genre de la fourrure, quoi. J'ai eu un schéma ah. De... Ah, ok, d'accord. Ah, mais attends, les schémas, y'a aussi Craft Remaining. Oh, la fille de puterie. Ouais, il m'a donné des carottes. Plein de carottes. Oh, y'a encore plein de méchaux, je crois, là. Va finir, oh, il y a encore plein de méjots. Vas-y, ramasse le mezzo. Hein. Moi, je viens avec toi pour me réchauffer. Ok. Par contre, je vois pas que t'es des fatigots. Il m'énerve. Mais en fait, les méjots, t'as remarqué, c'est toujours autour des. Oh, oh, j'ai très froid. Là. Oh, bah, je, je redescends parce que j'ai trop froid. Alors. Autour de quoi? Autour des ruines? Ah, mais j'ai encore très froid. Non, des tu sais, des sortes de pylônes là. Est-ce que ma ah, ces grandes pierres pointues là. Ah, ma vie descend et j'ai oh, ma vie descend. Ah, on oui. Va faire un feu de camp, on va faire un feu de camp. On va faire des altars et on va se laisser mourir. Mais non, en fait, un feu de camp, il faut qu'on continue de progresser là. Ok. Attends, on fait un feu de camp. On le fait ici là. Ouais, ouais. Tu peux le faire au. Non, faire un feu de camp, ça nous permet pas de progresser alors que mourir. Et oui, mais de toute façon, si tu re-as froid, tu vas faire que mourir de froid. Quand on est par terre avec quelqu'un d'autre qui a une truc, j'ai plus froid, moi. Oui, moi non plus, hein. Oui, si vous prenez votre torche, franchement, ça va, hein. La
Attendez, moi je me mets tout nu, on se met tous tout nus et on se colle les uns aux autres. Non mais là t'as froid là. Ça marche pas. Qui est troll celui-là. Venez vous coller à moi. Collez-vous, je rigole que moi là ta vie elle fond comme jamais. Ah ouais. Et non mais rien, comme ça tu respawns pas. Non mais faut chauffer les poignets. Pas d'altar, j'ai qu'à pas être bête. Mais Elle est où ma... Ah ouais, calme-moi. En réalité... Ah ouais. En réalité, hein, je pense qu'il va falloir qu'on investisse des points en résistance. Hein. À mon avis, au moins 20. Parce que vous... Ah non, mais même plus. Hein. Vous, là, vous avez froid. Moi, j'ai pas spécifiquement vraiment froid. Et j'ai 16 en résistance. Moi, j'ai 20. Hein. J'ai 20 et ça m'arrive d'avoir froid de temps en temps. Ouais, voilà. Donc, si on s'aventure encore plus profond dans le froid, il va falloir plus que 20. Il va falloir plus que 20, ouais. Limite, je dirais, il faut monter quasiment à 40, quoi. Oh, 30, je pense que ça va. Toi, hein. Tu disais, ça sert à rien de monter au-delà de 34 ou 36 ? 34, enfin, de base, c'est 32. C'est immersif quand même, cette petite scène là. Tous autour du feu. Tu ris des saucisses. Alors, j'aurais pas pensé forcément à ça, mais pourquoi pas ? Je vais rire des saucisses, au cas où. Marshmallow, j'en ai pas. J'allais dire, qui a des chamallows ? J'en ai pas. J'avais déjà vu de la viande, alors bon, je fais bon. Ouais. Par contre, il faut recasser du bois. Ah ouais, casser des choses. Pourquoi il y a plus de... Oh, j'en ai mis 3. On est mieux là. Il y en a pas dans les chevaux ? On a pas un peu de silex pour faire de la poudre d'insecte dans les chevaux ? Alors, je vois, il y a William ici. Il y a le poney de Gomez, effectivement, et Gomad. Je sais pas où ils sont, ils ont entendu tout roche. Ouais, je sais pas non plus. Vixi, t'es où toi ? Bah, Vixi, t'es à côté de moi et. Non, mais bougez pas. J'ai continué. Ah, ça y est, continue tout droit. Un peu tout droit. Tout droit, tout. Mais sauf que j'ai aggro, à mon avis, il doit y avoir un bébé. Chalico ? Non. Non, c'est Endo et Doggy. Ah ouais, bon. On fonce, on y va, on continue ? Ouais. Bah attends, faut que. Faut longer la rivière. Yes. Oui, voilà, on continue à manger. Puis... Oh, yes. C'est quoi ça tout droit? Il y a une nœud. Ah, c'est vous. Il y a une nœud. Il prend la torche. Comment? Mais il prend la torche. Eh ben non. Oh, franchement, vous devriez pas vous prendre la tête, hein. Oh, il y a des comment ça s'appelle ? Des galimimismes. Attends, reviens vers là, c'est parti par là ou deux. C'est 3 nains, ils vont à la mine, non ? Il y en a un, il prend la hache, l'autre il prend la pelle, le dernier il prend quoi ? Vous êtes où là ? Oh, le attention, hein. Quoi ? Ouais, non, wow. C'est bon, hein, j'ai déjà perdu ce matin Galiminus. C'est quoi, Vixi ? Comment ça, t'as perdu un Galiminus ce matin ? Oh, le cheval là. Un poney. Ah, il y a un rocher qui vole. Les galis, vous approchez pas là, ils vont devenir fous les galis. Je voulais voir le cheval. Il y a des rochers qui volent, ouais. Tant pis. Venez. Bonjour. C'est ici là qu'on peut revenir vers chez nous. C'est un truc. Quoi ? Concentration, revenez vers la rivière s'il vous plaît. Ah non, on peut pas, il y a des galis là. Vous faites le tour en fait. Okay. Faites le tour et après vous rebouclez vers la rivière. Oh, mais il y a plein des. Oh, ben voilà, ils sont là les écus. Il y en a 10 000. Il y a un banc de cheval. Où t'as mis ton bon cheval, toi ? Regardez, je pense qu'on peut traverser là. Ouais, ils sont level 7. Pas monter sur le rocher. Non, mais ils sont pas meilleurs level, mais effectivement, ici personne vient les tamer, quoi. Je pense que là on peut traverser. Y'a un bébé cheval. Non, y'a un bébé cheval. Donc ici il fait moins 8. Cette nuit il faisait moins 13, moins 14 à peu près. C'est là justement où je disais qu'il y avait plein de chevaux. En fait on est juste à côté de la plaine là. Oui on est à côté de la plaine. Ouais bah c'est ça, c'est à cet endroit là que je te parlais la dernière fois. On jette des cailloux, un caillou. Ok. Moins 8 toujours, c'est cool. On est dans la neige. C'est pas dit qu'on puisse passer parce qu'il y a quand même une grosse chaîne montagneuse. Mais je sens qu'il y a un chemin au bout. Qu'est-ce que c'est que ça tout droit ? Demi-tour ! Quoi ? On
Ok. Dans l'eau. Demi-tour. Dans l'eau, dans l'eau. Demi-tour, demi-tour. Demi-tour. C'est un giga. Oh putain, vous arrêtez surtout jamais. Oh la vache. Oh, c'est la merde pour moi. Foncez dans les écus. Oh la vache, c'est des allosaures. Oh non, Vixie, non. I'm dead. Non, non, saute, vas-y, spam le saut. I'm dead. Tu meurs pas, spam le saut. Saute, spam. Tais-toi, spam. I'm dead. Va dans les chevaux. I'm dead. Ah, je cours. Cours. On va devoir entamer un cheval là, on va devoir entamer un autre. Mais non, mais tu la loot. Jette tout. Tu t'en fous, jette, bouge. 1, 2, 3, Bouge, cours. On met un alta ou pas? Putain. Oh oui, je mets un alta. Ils ont aggro plein de trucs, il faut qu'on sorte de la zone. Il faut, pour ceux qui peuvent, il faut nous rejoindre plus loin le long de la rivière. Oh la vache. J'ai un alta. Eh, franchement, biome neige, easy. Hein. Moi j'y retourne quand vous voulez. Ah, moi aussi, hein. J'adore. Hein. Je vais poser un alta dans 2 secondes. Ok, c'est okay. Le méga why. C'est là, marrant. Là, il y a les allosaures, ils sont dans les stégos. J'ai limite envie d'aller les aider. Merci. Démerdez-vous. Non, mais il faudrait pas que. Ah, c'est la. Non, mais si, il y a mon stuff juste à côté. Okay. Mais il faut que j'aille. C'est là où j'ai essayé de monter. Oh, purée, c'est oh pas. La vache. Derrière la montagne, mais voilà, je suis pas sûr que tu arrives, quoi, c'est le problème. En tout cas, quand je regarde le biome, tu vois, de la Marie. C'est par où, William? Il y a des passages là, c'est clairement un endroit où il faut traverser parce que là tu vois partout il n'y a pas d'arbres. Là c'est le seul endroit où il y a des arbres. Ouais, c'est peut-être là. Donc ouais. S'il y a bien qu'un coin où on va traverser, c'est ici. Par contre, il va falloir y aller et qu'il y a une autre que les chevaux. Moi ils vont m'attaquer. De la manip là, Moutsu. Je voulais aller loot les trucs et puis permettre à Vixie aussi de prendre son stuff. Oui, ils sont morts les allosaures. Tu peux aller loot le sac du cheval, s'il te plaît. Les stégos et attends. Non, je sais pas, ça vaut. Non, y a rien à foutre. C'est juste le sac du cheval qu'il faut récupérer. Tu peux, je pense que tu peux avancer là, tranquillement. Mais je vais la récupérer vite si il faut. Moi je vais aller farm. Toi t'es à voile, je peux la récupérer. C'est bon, j'ai récupéré mon stuff. Galiminus là sur toi. C'est juste que le sac du cheval, je sais pas où il est. Il est juste un peu plus loin derrière moi là où je suis morte. Ah, je le vois. Et en fait, il y avait un comment ça s'appelle? Fais gaffe aux galis. Ouais, il y a beaucoup de galis, j'ose pas disparaître. Non, c'est dangereux les galis là. On n'est pas en full kill. Non, tu peux en vrai. J'ai aggro les stégos. Ah putain. Ah ouais, mais du coup ils sont sur moi. Vous avez des chevaux là? Vous êtes T'as pu te loot, Vixie, c'est bon? Oui, je me suis loot. Oh là 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 là. Ah oui, t'es juste là, c'est bon. Juste que je vide un petit peu. Attends. Tu veux mettre ton stuff sur mon cheval? Ah, c'est bon, c'est pas grave. Oula. C'est juste qu'il faut que je vide. Hop, ça, on s'en fout. Moutsou. Oh là. On a tellement encerclé le pauvre. Le piège ultime à Galiminus, quoi. Alors. Les blocs, on les croque. Il y a quelqu'un, il y en a un autre derrière. Il arrive. Aïe. Viens vers nous. T'inquiète. Tiens, bon. Oui, les stégos de l'autre côté, il faut les amener. Tu mets ton stuff dans le cheval. Mais bon. Tu vas pas rentrer à pied. Ah non, mais si je mets mon stuff, t'es fou là. Allez, go. C'est pas devant, mon cheval, il a pris pas mal de coups de stégos. Et regarde si tu as encore des, parce que moi il a tout bouffé. Mais les baies, je les garde sur moi justement pour pas que ça arrive. Ouais, non. Après, c'est facilement où je récupère, tu sais, là c'est juste la plaine, il faut traverser la plaine et ensuite les baies on les a. Bon, le point qui est, c'est que là on ne voit rien, on est vraiment en bas, il faudrait que ce soit en haut. Ok, on va se sacrifier. Un éclaireur.
on peut poursuivre le chemin aussi plutôt que... Ouais, venez, venez. Vous pouvez avancer, pour le moment c'est safe. Alors, du coup... On commence à avoir froid. Pas là pour récupérer les... Les bébés... Mince. Les bébés chevaux qu'on a lancés là. Ok. Du coup, il y a quelqu'un, faut mettre un timer. Mais on va rentrer de toute façon là. 14 minutes. Dans 14 minutes, vous serez là ? Ouais, je pense. Je pense ça parce va. Que de toute façon, on a trop. Hein, ça va mieux là ? Ici. Ah non, pas du tout. C'est à l'intérieur. Dans le passage, ça va. Et après, c'est là. Moins 16. Oh la vache. Bah là, on y est là. Hein. Je pense que là, on y est officiellement. Là, on y est vraiment. Hein. Il fait moins 16. Avec une petite loutre là. Ouais, je pense que c'est la loutre qui manque. Après, je perds pas tant de PV que ça. Est-ce que quand tu mets la loutre, t'as le buff quand même ou pas? Il a pas pris la loutre. Non, mais si tu... Est-ce que vous avez essayé? Non, j'ai pas tenté, je sais pas. Que tu sais, tu la vois ton isolation quand t'as la loutre autour du cou, je crois, qui monte. C'était juste... c'était des hypothèses. D'accord, parce que... là, à gauche, il y a des loups, des... Je sais pas ce que c'est ici. Attends, j'ai pas mangé ça. J'ai pas le temps de c'est voir. Des mais... C'est des smilodons. Bon, on n'est pas prêt pour venir ici. Mais il faut des loups, toi. C'est pour ça qu'il faut y aller. Faut tout tenter. C'est quoi là? Oh la vache. C'est. Allosaure encore. Neige éternelle. Allosaure, il faut qu'on trouve du coup aussi quelque chose pour pouvoir les fight. Les stégos, c'était pas mal, hein, mine de rien. Hein. Ah, il y a un pack de 3 allosaures de nouveau en face. Donc, Le groupe de stégos sauvages, ils les ont bien éclatés, les allosaures. Ouais. Mais là, t'as pas de stégos. Là. Mais là, on n'a pas de stégos. Mais on en a un peu en time. Pour en faire d'autres. Donc, ça peut être une solution aussi. Bon, moi ma vie elle commence à... Je vais arriver à midlife là. Ouais, il faut qu'on revienne. De toute façon, on a vu ce qu'on voulait voir. Ouais, il faut qu'on t'amène. Il faut de la loutre, il faut de quoi se battre. Non. C'est plus à gauche, je crois, William, hein, le passage, non? Je sais pas. Ah non, c'est là, c'est sur... Oui, c'est sur ta gauche, c'est là. On est perdu. Bon, je reviens en arrière, moi. J'ai ouais. Il fait moins 16, et encore il fait moins 16 à midi. Ouais. Oui. Donc il faut pas se retrouver coincé. Il faut pas se retrouver coincé de nuit dehors quoi. Bah dans la grotte. Même avec la loutre à mon avis tu cuis hein. Bah tu cuis version tu cuis par le froid. Du gel cristal. Du gel exactement. Ok. Et ici moins 6, ça va. Ouais c'est gérable. Ouais c'est gérable. Merde. Bon bah y'a plus qu'à rentrer à la base. On est où là? Bah on est à la plaine, il faut retraverser les montagnes en face et on est dans la plaine. Okay, ouais on est pas loin de la maison. Tiens regarde ta map. Hein? Y'a l'effet flamme sur la map. L'effet flamme sur la map. C'est pas plutôt parce que t'as le ta tenue qui se dépasse? Non, bah non, si, je si, pas. Si, si, c'est ton gant en fourrure. C'est le gant qui fait ça, comme ça va. Il est vraiment défoncé celui-là. Bah, ouais, non, mais ça aurait été sympa. Sur la map. Mais bien sûr, c'est Game of Thrones le truc, quoi. Bah, ouais, tu croyais que ça allait pas. Bon. En tout cas, c'est cool. Ça va terminer cet épisode exploration, du coup. C'est dangereux, hein. Clairement c'est dangereux, on voit bien qu'on n'est pas prêt. Probablement la loutre, de la fourrure de meilleure qualité, mais bon, encore faut-il trouver des stuff en fourrure de meilleure qualité. Donc voilà. Mais en tout cas c'était sympa comme expédition. Je suis très très fatigué, donc je suis désolé si c'était un petit peu plus mou que d'habitude, mais bon. On va pouvoir se reposer un petit peu. Et puis surtout, bah, en fait, on a bien avancé. On a découvert les méjots. Ça y est. On sait qu'il y a quelques ruines qu'on peut aller farmer. Donc, mine de rien, tout ça, ce sont des informations qui sont bonnes à prendre. Il y a un bébé Galliminus, là, je pense. Mince, je me suis mis un bandage.
Effectivement, c'est un bébé Galliminus. On en a cherché plein sans jamais en trouver. Maintenant, il y en a plein. C'est incroyable. C'est la théorie qui se confirme à chaque fois sur ce jeu. Genre vraiment, quoi. Mais ouais, c'était cool. Il y a juste un truc, c'est les allosaures aussi. Le froid et les allosaures. Ça va être deux composantes un petit peu compliquées, je pense, à affronter. Le froid, on a la loutre. Les allosaures... les allosaures avec les ours, peut-être. Un pack d'ours un peu énervé, ça peut peut-être les tanker. Mais le problème, c'est que les allosaures mettent un dos. On a vu que les stégos pouvaient les fracasser, donc faut voir. Faut voir. En tout cas, merci d'avoir visionné cet épisode. N'oubliez pas d'aller mettre des petits pouces bleus sur Steam pour soutenir les créateurs, comme toujours. Et puis, ultimement, le petit pouce bleu aussi pour la vidéo, pour me soutenir moi. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mutsu et l'équipe sur Immersive TV sur Alemia. Des bisous. Salut tout le monde. Bye.